Oui, bonjour. Oui, voilà. Alors, en fait, c'est très, très, très joli chez vous, hein. Non, j'admire votre sens de l'esthétisme, hein, et vous m'ignorez, en fait. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez vous arrêter de travailler 2 secondes? Non, parce que, en fait, j'ai vraiment un problème là. Parce que c'est sympa chez vous, hein, c'est joli. Mais par contre, c'est pas du tout clair. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, prêtre entité Dada. Oui, bonjour. Excusez-moi, oui, enchantée, c'est un plaisir. Non, parce qu'en fait, j'ai un problème avec ma combinaison spatiale et du coup, je cherche des toilettes. Est-ce que vous pourriez m'aider? Non, c'est pas du tout ce que je veux. Bah, donnez-moi un plan alors, je sais pas, faites quelque chose. Ah, merci, c'est gentil. Attendez 2 secondes, mais c'est pas du tout un plan. C'est pas du tout un plan. Ok, vous m'écoutez pas en fait. Super, en plus, j'avais déjà. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la pause café, où nous analysons autour d'un petit café les petits détails qui peuvent rendre un jeu très bon ou très mauvais. Aujourd'hui est un jour plutôt froid, alors enfilez une petite laine et servez-vous un cappuccino bien chaud. Et procédons. La génération procédurale. Des mots qui font rêver et cauchemarder certains développeurs. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le concept, la génération procédurale est un procédé de création de contenu automatisé qui obéit à des règles fixées par des algorithmes. En gros, dans les jeux vidéo, ce serait créer des niveaux de Super Mario à l'infini selon des règles très précises et de façon complètement informatisée. C'est donner des instructions au code pour pouvoir créer une infinité de possibilités. Ça fait un peu peur et un peu rêver à la fois? Oui, normal, on parle de jeux qui potentiellement pourraient être infinis. Sauf que, en jeu vidéo, comme dans la vie, on ne crée pas à partir de rien. Et la génération procédurale a besoin d'une certaine matière première. C'est comme en génétique. On sait qu'un humain, ça ressemble globalement à ça. En entier, parce que c'est coupé. Autour d'une structure de base, on a des milliards de possibilités. Mais il y a toujours une chance, même si c'est une sur 1 000 milliards, qu'on puisse rencontrer un double parfait de soi-même. Cette chance existe, et oui, même si elle est très très faible. Et plus le cadre est strict, moins on fournit les matières premières, plus on a de chances de tomber 2 fois sur la même chose. Imaginez si on disait que, bah, finalement tous les êtres humains étaient bruns et avaient les yeux marrons. Ils mesuraient 1 m 60. À peu près. Et ben, tout de suite, on aurait beaucoup moins de diversité. Un peu comme au CAC 40. Dans le jeu vidéo, il y a plusieurs façons d'appréhender cette problématique. Une des plus répandues est d'utiliser la génération procédurale pour créer une illusion d'aléatoire. Ainsi, on va augmenter la rejouabilité du jeu, puisque 2 parties ne seront jamais pareilles. On peut aussi jouer sur une génération aux limites très visibles. Cela va permettre de répéter de façon notable des patterns ou des mécaniques de jeu, et de permettre aux joueurs du coup de progresser, et de se lancer plus dans une quête du meilleur score. D'autres jeux, au contraire, misent tout sur l'aspect infini de la génération procédurale, et tente de fournir suffisamment de matières premières pour que le système donne vraiment cette illusion de possibilité infinie. Et certains jeux se ratent un peu. Si on veut donner aux joueurs l'illusion qui, elle, a une infinité de possibilités, alors mieux vaut éviter de lui laisser voir tout de suite les limites qu'on a fixées. On peut voir une certaine poésie dans un jeu en génération procédurale dont le système est très visible. Mais ce n'est probablement pas l'expérience de jeu voulue à l'origine. Et le quatrième mur est brisé. Cela peut gâcher l'expérience de jeu de certains joueurs, et cela transforme de toute manière l'expérience proposée. Les avantages d'un système de génération automatisée sont énormes, surtout en termes de quantité et de diversité de contenu.
Mais tout dépend de la capacité du développeur à fournir suffisamment de matières premières dans laquelle le système peut piocher et à fixer de bonnes règles pour définir ce système. Générer un jeu procéduralement ou créer son contenu traditionnellement, c'est un choix qui doit être fait intelligemment. Et le reste du jeu doit être cohérent. Il faut que tout soit fait en fonction de ce choix, et non à ses dépens. Tout ça pour dire que si on a une chance sur 1000 milliards de croiser son doppelganger, combien vous pensez qu'il y a de chances pour que deux cafés soient exactement identiques? Est-ce que les chaînes de café sont des systèmes de génération procédurale de café? Je vais vous laisser, j'ai des cafés à tester et des jeux à boire. Ou l'inverse. Bref, j'y vais. Mais n'oubliez pas, ce sont les petits grains qui font les grands cafés et les petits détails qui font les grands jeux. Coucou toi, t'es mignon, dis donc, qu'est-ce que tu es comme espèce? Bonjour. Oh, il est mignon le Squishy. Aïe! Mais il est méchant le Squishy! Mais qu'est-ce que tu me veux, Squishy? Enfin! Je m'en vais puisque c'est comme ça. Viens, Squishy, pas beau. Voilà.